nouvelle interview de Star Wars Universe. Je suis avec Lucille, aka Louve, éditrice chez Pocket pour les romans Star Wars. C'est ça, bonjour à tous. Donc entre nous, à ce niveau de fanitude de Star Wars, on ne peut plus dire que c'est un métier. Voilà. Alors ça reste un métier parce que c'est de longues heures, voilà. Oui, c'est quand même un travail. Et puis, mais c'est vrai que même traductrice, en traduisant des livres Star Wars, bah, tous les matins, tu te lèves avec la patate, quoi, ça c'est sûr. Et voilà, ça c'est évident, tous les gens qui font le métier de leur passion doivent vivre la même chose. Après, ça reste un travail avec des heures bah, où tu n'es pas avec ta famille. Et donc voilà, tout ça fait que ça reste. C'est un peu plus quand même qu'une passion. Justement, voilà. Ces heures où tu n'es pas avec ta famille, à quoi ça ressemble une journée d'éditrice? Une journée d'éditrice. En dehors des traductions. En dehors des traductions. Mmh. Ouais, justement, ouais, c'est difficile de faire une journée type parce que ça va être beaucoup de choses différentes à plein de niveaux. Et du coup, ouais, deux jours de suite, ça ne se ressemble pas du tout. Mmh. Alors, mon travail, ce que je dois faire, c'est donc gérer tout le programme. Donc déjà le choisir, décider ce qui va être publié dans l'année. Et en général, ça se fait un an à l'avance. Donc là, on est déjà en train de réfléchir aux publications 2020. Et voilà, donc il y a déjà cette première chose-là. Il faut confier les traductions à des traducteurs, donc à notre équipe de traducteurs. Voir à qui, quel type de livre va correspondre à quel type de traducteur. Puis après, les disponibilités de chacun, bien sûr. Voilà. Et donc il y a ça, et puis après il y a le suivi en fait de toutes les étapes entre le moment où le traducteur nous rend le travail jusqu'à l'impression. Il y a bien sûr plein d'étapes de relecture, des relectures techniques, des relectures plus précises sur l'orthographe, la grammaire, voilà. Et ça à chaque fois en fait, moi je surveille l'avancée. Il y a des gens qui font les relectures, mais moi je surveille cette avancée-là et je m'assure que il n'y a rien qui passe à la trappe, qui soit laissé de côté. La couverture aussi. Alors, je m'occupe de la couverture. Donc, en général, on suit la couverture US. Mais donc, il faut bien sûr que ça soit adapté en français. Et puis, il y a la quatrième de couverture à rédiger. Il y a aussi ce qu'on appelle des argumentaires. En fait, donc, c'est des petits textes de présentation des livres, avec les points forts, avec quel est l'intérêt de ce livre-là en particulier, comment le présenter à un lectorat qui ne connaîtrait pas Star Wars, les libraires qui ne connaissent pas Star Wars, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour leur vendre le livre. Donc ça aussi, c'est des choses à rédiger. Et puis qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Il y a aussi tout le relationnel avec Disney. Mmh. Donc là, j'ai des contacts réguliers avec eux. Et puis récupérer les documents, les fichiers, récupérer les couvertures, ensuite le soumettre à approbation, donc envoyer la couverture et le texte pour que ça soit validé. Voilà, donc c'est plein de petites choses, plein de petites étapes qui sont à suivre bien dans l'ordre et puis s'assurer que ça avance bien pour que ben on arrive à la bonne date pour l'impression et que ça soit dans les librairies à la date qu'on avait prévue. Tout ça, c'est vraiment une mécanique qu'il faut qu'elle soit la plus huilée possible pour qu'il n'y ait pas de retard et de délai. Donc j'ai entendu dire qu'il existait quelque part un glossaire, un codex de tous les termes propres à l'univers Star Wars et donc leur traduction en français pour essayer de garder une traduction homogène, que les auteurs, les traducteurs, pardon, se passeraient de traducteur à traducteur. Donc, est-ce que ce glossaire, ce codex existe réellement ? Oui, il existe bien. C'est vraiment un outil de travail essentiel, on ne peut pas faire sans. Donc en fait, il y a un glossaire général qu'on met à jour régulièrement. Et puis après, pour chaque petit roman, on demande au traducteur de traduire, de créer un glossaire spécifique à ce roman, donc avec tous les termes spécifiques. Et ensuite, une fois que la relecture est faite et que ce glossaire est validé dans tous les détails, c'est-à-dire que le terme se traduit bien comme ça à partir de maintenant, qu'il a telle majuscule, etc. Une fois que c'est validé, on l'intègre dans le glossaire général. Et ce glossaire est retransmis à tous les traducteurs pour leur traduction suivante.
Donc comme ça, on peut s'appuyer sur les traductions des collègues et puis continuer à avancer. Après, bien sûr, c'est un glossaire qui ne va pas être... Il va pas avoir tous les termes. On a 1500 termes, là, je crois, dans ce glossaire. Donc ça reste des termes très généraux. Alors bien sûr, à chaque roman qui avance, on rentre dans le détail un peu plus, mais il n'est pas complet. Donc il y a ensuite des recherches à faire sur Internet, et donc les traducteurs savent très bien qu'en plus du glossaire général, il va falloir qu'ils aillent sur les encyclopédies en ligne, sur l'encyclopédie Wikipédia, pour faire des recherches si le terme existe déjà dans l'univers, et auquel cas comment il a déjà été traduit. Voilà, donc il y a tout un travail de recherche qui ressemble parfois un peu à un travail d'archéologue pour aller retrouver ces termes qui ont déjà été traduits peut-être il y a 25 ans et voilà, savoir quel a été le... Les fans peuvent être mis à contribution. Et voilà, et c'est pour ça que de temps en temps, on peut demander, on va sur les sites comme Star Wars Universe et on leur demande, on demande aux fans, est-ce que vous savez comment a été traduit ce terme-là dans tel livre ? Si nous-mêmes, on n'a pas le livre, ça nous permet de leur demander. Et puis, ça nous arrive d'avoir des nouveaux termes à inventer et du coup, de demander l'avis aussi des lecteurs. C'est toujours chouette d'avoir leur avis. Donc, passons un peu plus au vif du sujet, les romans Star Wars. Et ma première question va porter un peu sur les romans un peu plus anciens, les romans légendes, dont les publications ont été interrompues donc chez Pocket depuis un an, deux ans. Deux ans, oui. Voilà. Avant, il y avait un roman légende qui continuait d'être publié chaque année, ce qui n'est plus le cas. Et donc, la rumeur court que Disney interdirait la publication donc, des romans légende chez Pocket aujourd'hui. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec Disney, c'est vraiment un partenariat. Et donc, il y a vraiment un échange constant sur ce qui est bon à faire pour la franchise. Et c'est évident que cette double continuité rend les choses très compliquées pour les lecteurs. Et on a énormément de nouveaux lecteurs qui sont arrivés avec les nouveaux films et du coup qui sont perdus avec cette double continuité. Alors bien sûr, pendant un temps, on a continué à faire du légende parce qu'on savait aussi qu'il y avait un lectorat qui attendait et qui espérait recevoir... Des nouvelles traductions du légende. Et puis là, la décision a été prise là dernièrement pour l'instant de mettre un temps d'arrêt aux légendes pour pouvoir vraiment se concentrer sur le canon, rattraper notre retard par rapport aux publications américaines pour essayer de réduire le temps qu'il y a entre les deux. On est autour maintenant de un an à peu près. De temps en temps, il y a quelques exceptions où on va vraiment accélérer les choses pour correspondre à un événement. Comme c'est le cas pour Master and Apprentice, où on va réussir à le sortir dès octobre cette année. Ou Baroud d'Honneur l'année dernière. Ou Baroud d'Honneur pour la sortie de Solo. Donc voilà, par rapport à des événements ponctuels, on va faire un effort particulier parce que ça prend énormément de temps de toute façon de traduire un livre. En général, c'est un an qu'il nous faut, mais de temps en temps, on peut essayer de raccourcir ce temps-là. Et puis ne pas tomber sur des délais de 2 ans, 3 ans, comme ça a pu arriver autrefois. On essaye vraiment maintenant de coller au maximum. Donc pour faire ça, on est obligé de mettre le légende de côté. Pour l'instant, en tout cas, on en est là. D'accord. On peut dire que c'est une décision voulue. Voilà, c'est vraiment imposé. C'est fruit d'une discussion, etc. Voilà. Et puis il n'y a rien encore d'arrêté de définitif. En parlant de choses arrêtées, Pocket Jeunesse ne publie plus de romans Star Wars. On a eu Ascension Rebelle, je crois, en français, l'année dernière, Rebel Rising. Mm-hmm. Et depuis... Soulèvement Rebelle. Soulèvement Rebelle. Et depuis, plus de publications chez Pocket Jeunesse. Qu'en est-il de Pocket Jeunesse, de son rapport avec Star Wars ? Y aura-t-il de nouveaux romans chez Pocket Jeunesse ? En sachant que tu as annoncé aujourd'hui que Ahsoka sera publié chez Pocket tout court en avril 2020. 2020, c'est ça. Alors, Pocket Jeunesse, donc, ça a été plusieurs romans qui sont sortis depuis 2014. Et puis, on s'est rendu compte, en fait,
au fur et à mesure qu'on avait, on n'avait pas notre lectorat dans le jeunesse. On n'arrivait pas à trouver en fait notre lectorat dans les rayons jeunesse. Et que du coup, des très bons livres young adult, jeunes adultes, passaient à la trappe, n'étaient même pas vus par nos lecteurs adultes qui pouvaient être intéressés par ces romans-là, parce qu'ils n'étaient pas dans les mêmes rayons en fait que les romans adultes. Donc du coup, l'idée, c'était de se dire, autant tout rassembler au même endroit, et puis ensuite, le lecteur, il est grand, il se rend bien compte, tiens, bah, le young adult, enfin, ce qui est un peu plus jeunesse, on va moins le lire, mais au moins, il le trouve au même endroit. C'est ça qu'on fait. Donc à l'avenir, systématiquement, les romans young adult, jeunes adultes, seront chez Pocket. Mais alors, là aussi, c'est pas gravé dans le marbre, c'est un essai qu'on fait là, on se dit que on n'a pas envie en fait de tirer un trait sur les romans young adult. On pense qu'il y a vraiment des très bons textes qui sortent là. En plus, Disney a l'air de vouloir vraiment développer cette branche-là, qui en France ne fonctionne pas comme aux États-Unis. Les lecteurs young adult, le rayon young adult n'a pas une existence propre en France. Ça reste le jeunesse ou l'adulte. Ouais. Voilà, alors ça a un petit peu évolué, mais ça reste encore très, très, très séparé. Donc du coup, on essaye là en faisant que dans l'adulte, et puis on verra ce que ça donne, mais rien n'est gravé dans le marbre. Très bien. Faisons un petit point de planning de l'année 2019, donc l'année en cours, en sachant que est sorti cette semaine Inferno Squad, donc Escouade Inferno en français, donc roman préquel au jeu vidéo Battlefront 2. Qu'est-ce qui nous attend donc dans les mois à venir, d'ici la fin de l'année? Alors, au mois de juin, on va avoir la suite de Throne, donc Throne Alliance, qui va nous raconter donc la suite des aventures du grand amiral Throne, cette fois avec Dark Vador, donc ils seront envoyés en mission par l'empereur Palpatine himself. Sur la planète Batuu. Sur la planète Batuu, donc on va découvrir un petit peu plus cette planète qui sera au premier plan de Galaxy's Edge. Donc le théâtre du futur parc d'attractions Star Wars. Voilà. Et puis, avec une double chronologie, en fait, une double timeline dans le livre, avec d'un côté donc Throne et Vador qui sont envoyés par Palpatine, et puis on va découvrir que, en fait, Throne avait déjà travaillé était sur Batuu avec Anakin à l'époque de la guerre des clones. Voilà. Donc on va avoir ces deux timelines qui vont s'entrecroiser, bien sûr, se faire écho les uns aux autres avec. Dans le livre. Donc ensuite, ça c'est pour le mois de juin. Ensuite pour le mois d'août, parce que comme vous savez, c'est tous les deux mois, un roman tous les deux mois. 6 par an. C'est ça. Le mois d'août, on va avoir droit à Most Wanted, traduit mort ou vif en France. Donc là, c'est un roman tie-in de Solo. Donc, passe juste avant Solo. Ça se passe la partie quelques dans le passé avant. De Solo avant. Voilà, quelques années avant Solo, où on découvre comment Han et Kira sont devenus proches, comme on les découvre au début du film. Et donc c'est une histoire de course-poursuite dans les rues de Corellia. C'est très chouette, c'est assez frais. Donc là, on est sur un roman jeune adulte qui sera dans la gamme adulte de Pocket. Tout à fait. Mais bon, à chaque fois, on a des textes qui sont de qualité, qui peuvent se permettre d'être dans l'adulte. Voilà. Ensuite, on a le mois, ça c'était le mois d'août. Le mois d'octobre, on va avoir donc Maître et apprenti de Claudia Gray. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire un hommage en fait à la menace fantôme avec les 20 ans de cette année. C'est pour ça qu'on s'est dépêché de le traduire pour le sortir en 2019. Et en plus, Qui-Gon et Obi-Wan. Qui-Gon et Obi-Wan, voilà, qui sont envoyés en mission avec toute une réflexion sur leur relation à tous les deux. Et voilà, et donc l'idée c'était de sortir en octobre pour les 20 ans parce que c'était en octobre qu'était sorti le film en France, octobre 99. Et donc en décembre. Et donc, en décembre, il y avait ce roman inconnu, mystère, qu'on avait tenu secret jusqu'à présent, qui est en fait un roman Journey to Episode 9, donc voyage vers l'ascension de Skywalker. On n'avait pas le droit de l'annoncer encore parce qu'il n'était pas annoncé par les Américains. Là, à la célébration, ils ont annoncé, n'ont pas annoncé les titres, donc je ne peux pas vous donner de titre, malheureusement.
Mais voilà, ça sera un roman voyage vers l'épisode 9. Il s'agit d'un roman jeune adulte. D'accord. Voilà, qui sortira donc en décembre. Et je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne peux dire que ça. Ça veut dire qu'il sortira le même mois en France et aux États-Unis. Je crois qu'il sort en novembre aux États-Unis, donc le mois D'accord. suivant. D'accord, pratiquement le même mois. Voilà. Ce qui veut dire que... Ce qui veut dire que c'est très très serré pour réussir à le sortir. Un ou une de vos traducteurs, traductrices a déjà le Il ne l'a pas encore, là. Pas encore. Mais il l'aura... Ça va tarder. Voilà, il l'aura dans le courant de l'été et tout devra se faire extrêmement rapidement. Donc on croise les doigts pour que tout fonctionne, que la machine soit bien huilée. Et pour pouvoir proposer ça dès décembre, on s'est dit que c'était quand même chouette pour que ces livres-là, Voyage vers, ça soit, sorte avant le film. C'est quand même l'intérêt principal. Après, c'est sûr que c'est compliqué de les sortir avant. Quelques titres déjà un peu pour 2020 ? Alors pour 2020, donc, il y a Ahsoka qui est prévu pour le mois d'avril. On est très heureux de pouvoir enfin sortir ce roman. Donc là aussi, jeune adulte. Qui sortira donc chez Pocket Adult. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais plus qu'est-ce que j'avais été dit. J'ai ma petite feuille. Que de suspense. Oui, n'est-ce pas? Ah si, alors la bonne nouvelle de 2020, c'est qu'on aura le droit à un septième titre. Et qu'il y aura... 7 romans par an. Voilà. Pour 2020. Pour 2020. Voilà. Il faut faire les choses les unes après les autres. Voilà. Donc ça, c'est l'autre nouvelle. Pour 2020, sachant on aura qu'en 2020, il y aura... Il y aura une novélisation. Il y aura une novélisation, celle de Solo. L'épisode 9. L'épisode 9. En outre-fleuve. Voilà. Et Solo en poche. Et Solo en poche. C'est ça. Voilà. Donc ces places-là, elles seront prises. Mais c'est vrai, ce que tu dis est vrai, c'est que dans les années suivantes, comme il n'y aura plus de films... pendant quelques temps, là, ce que Disney nous a annoncé qu'ils allaient faire un petit temps de pause, forcément, bah, les places que prenaient les novélisations seront libérées pour les romans. Mais voilà, il y a énormément d'annonces qui ont été faites aux États-Unis, donc il n'y aura pas de problème pour remplir tout ça. Il y a ce mystérieux projet Lumidus qui devrait. Le projet Lumidus, entre autres. Composer 2-3 romans. Voilà, mais on sait que eux, ça ne sera pas pour avant 2020, bien sûr, et donc ça risque de ne pas être pour tout de suite, ouais. D'accord. Moi, j'ai une question un peu particulière. Sur les romans Pocket, on a souvent vu cette numérotation en haut. Et souvent, on voit sur les forums des gens un peu râler. Ça ne suit pas, ou il y a des trous, il en manque. Y a-t-il une logique dans cette numérotation en haut des romans? Par exemple, si je prends les deux tomes de la trilogie Riposte qui se suivent, j'ai 156 et 159, alors qu'ils suivent dans la timeline. Tout à fait. Alors, je me suis renseignée. En fait, il se trouve que ces chiffres sont établis de façon automatique au moment de l'immatriculation des livres. Et du coup, les livres ne sont pas immatriculés dans l'ordre de leur parution. Et ensuite, entre Riposte et le deuxième de Riposte, il y a eu d'autres romans qui sont sortis. Donc c'est normal finalement qu'ils ne se suivent pas en termes de chiffres. Par contre, la personne qui se chargeait en fait d'immatriculer ça se doutait pas que ce numéro était utile pour ranger pour ceux qui voudraient ranger en fait dans l'ordre de parution il se doutait pas que ça pouvait être utile. Donc du coup on va faire particulièrement attention maintenant pour que l'immatriculation soit faite selon l'ordre de parution pour que ça puisse se suivre et que ça puisse aider ceux qui voudraient ranger leur bibliothèque comme ça. J'aime bien que ce soit remonté. Voilà. Tout à fait. Une crainte en ce moment, si Pocket garde ce rythme de parution, c'est de rattraper la VO. A priori, c'est pas prêt d'arriver. Il y a suffisamment de projets dans les tuyaux, soit chez Pocket que chez Disney. C'est ça, on voit qu'est-ce qui nous a été annoncé. Il nous a été annoncé deux autres Alphabet Squadron. Voilà, on a le temps de voir venir avec cette trilogie. Si en plus, maintenant, vous rajoutez les Young Adult dans cette collection. C'est ça, on a les Black Spire, Crash of Fates, donc, qui vont présenter Galaxy's Edge. On a d'autres choses qui nous ont été annoncées, dont on n'a pas le droit de parler, mais qui seront annoncées bientôt. Et puis, il reste des livres à traduire qu'on n'a pas encore traduits. Il y a Leia Princess of Alderaan. On a aussi quelques recueils qui, peut-être un jour... Justement, c'était ma prochaine question. Les recueils de nouvelles, chose qui...
À chaque fois qu'on nous pose la question, on dit non, jamais de ça en France, ça intéresse pas. Notamment le recueil de nouvelles From a Certain Point of View, donc d'un certain point de vue, qui était un projet assez original et donc qui, malgré ce côté nouvelle qui peut rebuter en France, aurait pu mériter, aurait pu avoir une traduction et être publié en France. Donc ces recueils de nouvelles sont toujours plus ou moins mis de côté actuellement. Oui, mais ils ne sont pas prioritaires, c'est sûr. On ne peut pas les voir comme prioritaires. En plus, From a Certain Point of View, c'était vraiment pour l'anniversaire des 40 ans de d'un Nouvel Espoir. Aujourd'hui. Donc voilà, cette fenêtre de tir-là, elle est passée. Après, pourquoi pas, si il nous manque des choses, on sera bien content de pouvoir sortir ces recueils-là, qui de toute façon, du coup, sont un peu sortis de la chronologie et on peut les sortir un peu n'importe comment maintenant. C'est pas du tout impossible. Je vais finir sur une note un peu plus légère. Est-ce que, comme le fait Panini, j'ai envie de dire systématiquement, aurons-nous un jour des variantes de cover de romans ? On sait que les romans Star Wars, certains, ont des couvertures particulières suivant le pays. Il y a des pays d'Amérique latine qui ont des fois des très belles couvertures propres à leur pays. Ou alors... La Grande-Bretagne aussi. La Grande-Bretagne, qui a quelque chose un peu plus graphique sur les couvertures en général. Ou alors certains romans ont, lors d'événements particuliers, Star Wars Célébration, des couvertures propres à l'événement. Est-ce que ça risque d'arriver en France, des couvertures en variantes ? C'est tout à fait possible. Après, est-ce que c'est souhaitable ? C'est pas toujours le cas. Souvent, on se rend compte que la couverture US est celle qui est la plus vendeuse et la plus esthétique. Parfois, les autres sont belles aussi, mais peut-être moins vendeuses ou s'adressent moins à un public large. Parce que justement, quand c'est le cas d'une convention et d'une couverture spéciale, ben, on s'adresse à un public un peu plus pointu. Alors, on peut se permettre de faire des couvertures peut-être plus belles, mais moins lisibles. Alors voilà, ça, notre travail, c'est de voir si on peut utiliser d'autres couvertures, pourquoi pas, mais il faut que ça soit justifié. Donc pourquoi pas, en effet, des couvertures qui soient des variantes, mais à chaque fois avec ce souci-là, de toucher un public large. Espérons que ça arrive dans les bonnes. Voilà, tout à fait. Bon, moi, je te remercie en tout cas d'avoir répondu. J'ai une dernière annonce à faire. Oh, je te laisse la parole. Alors, c'est par rapport au glossaire, justement. Le glossaire. En fait, il se trouve que, comme je suis traductrice pour plusieurs maisons d'édition, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon travail que les éditeurs avaient chacun une façon de fonctionner et qui n'était pas identique et qui faisait qu'on avait des disparités, en fait, entre les maisons d'édition sur les traductions techniques ou sur la façon de traduire. Presque un glossaire par maison d'édition. Voilà. Et puis, au-delà du glossaire, même la charte éditoriale était différente sur le traitement des majuscules, des féminins, des pluriels, etc. Et ça a l'air... comme ça, très, très simple, mais en fait, c'est très, très complexe. Et l'idée, en fait, c'était de pouvoir faire une synergie pour que les éditeurs se mettent ensemble à réfléchir comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir homogénéiser tout ça. Et il se trouve que Disney vient de me demander de faire ce travail-là, d'homogénéisation, et donc avec les différents éditeurs, et on en a discuté là encore avec Thierry Mornay et Aurélien Vivès de chez Panini et de chez Delcourt, de pouvoir de créer ce document qui sera interne pour les différents éditeurs, pour pouvoir utiliser une terminologie commune, et aussi qui sera distribué aux différentes encyclopédies en ligne de fans, pour que, de même, les encyclopédies puissent se mettre au diapason et qu'on puisse tous ensemble partir sur les mêmes bases. Et je crois que c'est un travail qui depuis 25 ans, aurait dû se faire, qui, plus le temps passait, plus devenait quelque chose d'énorme. Et voilà, et là, je crois que ça va être chouette parce qu'on va enfin pouvoir unifier, et puis ça va nous encourager aussi à travailler les uns avec les autres. Et quand on voit qu'il y a des crossovers qui s'approchent, je pense que ça va être assez chouette de pouvoir voir comment est-ce que les différents éditeurs peuvent travailler ensemble. Voilà. Beaucoup de contrôle F modifié à venir. On compte sur vous. Ça sera fait. Bon, bah, je te remercie, Lucie. Et bah, de rien. C'était avec plaisir. De même. Merci de nous avoir écoutés et continuez de suivre l'actualité de Star Wars sur Star Wars Universe.